Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce qu'en fait, j'ai passé des petites commandes sur AliExpress pour... ma sœur m'a demandé pour son anniversaire, puisqu'elle le fête et qu'on est une quarantaine, de m'occuper du gâteau parce que... déjà, je suis cuisinière et que... apparemment, je fais de jolis gâteaux. Bref. Du coup... tout le monde adore les gâteaux, les trouve super jolis. Et elle m'a demandé de faire son gâteau d'anniversaire. Sachant que le thème, c'est noir et blanc. Il faudra être habillé en noir et blanc. Et donc, du coup, ma sœur adore tout ce qui est histoire de France, monuments, églises, les monuments, les églises, quoi. Pour celles qui me suivent, vous voyez l'agenda que je lui fais chaque année, Histoire de France, Paris, bref. Et du coup, pour mon gâteau, j'ai voulu un décor Histoire de France et Paris. Sauf que quand j'ai regardé sur Internet pour voir le prix des moules, puisque mon gâteau sera à étage avec la pâte à sucre et tout, un truc comme ça pour faire de la dentelle, ça coûtait 40 €. J'ai dit, mais ils sont juste fous, quoi. Donc, du coup, je suis allée voir sur AliExpress. Et là, bien sûr, j'ai trouvé mon bonheur. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Il en manque, je crois, 2 ou 3, mais des petits. Les prix, je sais plus. Mais je crois que le plus cher, c'était celui-là à 4 €. D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite. Il est splendide. Voilà. Regardez-moi les détails, cette dentelle. Et en plus, avec les personnages là. Mais elle va trop l'adorer, celui-là. Donc là, et celui-là, c'était à 4 €. 4 ou 5 €. Enfin, mais pas plus. Hein. Et c'était le plus cher. Sachant que celui-là, au départ, tout ce que je voyais comme ça, c'était à 8-9 €. C'est au bout de 3 heures que je regardais sur AliExpress, que je regardais les moules, vous savez, quand on fait défiler, que je l'ai trouvé à ce prix-là. Sinon, c'était beaucoup plus cher, c'était au moins le double. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour faire la dentelle, vous savez, tout le tour. Et les personnages aussi. Là, on va rester dans la dentelle. J'ai trouvé ce moule-là qui est juste magnifique. Voilà. Alors, je vous montre ça parce que là, je vais m'en servir pour le gâteau. Mais alors après, je vais faire m'en servir pour les loisirs créatifs, quoi. Voilà. Vous vous en doutez. Donc, du coup, à partir du 26 novembre, puisque c'est le 25 novembre le gâteau, je m'en servirai pour les loisirs créatifs. Et là, ça va rendre trop bien avec la résine. Voilà. Donc celui-là, qui était à 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Il était moins cher que le bleu. Ensuite, pardon, j'ai trouvé celui-là. La couronne, l'insigne là, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est une fleur de lys, mais je suis pas sûre. Bon, la clé, alors ça va être top pour moi après. Et la bordure là aussi. Bon, là, ça ressort pas bien, mais c'est vraiment, c'est trop beau, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce moule. Voilà, toujours pareil. Alors, regardez, avec des cadres.
Donc alors je l'ai pris celui-là, surtout pour celui-là, celui-là. Et alors là, je sais pas si vous voyez bien au fond, mais il y a un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref, voilà. Bien sûr, après, ce sera pour le scrap. Celui-là, je l'ai pas ouvert. J'ai reçu celui-là. Je l'ai pris pour la couronne. La clé, elle est très très fine. Donc, je ne sais pas si la fimo passera. Par contre, la résine, je pense qu'elle passera. Le cœur, là, j'adore. La moto, si pour mon fils, pour faire des trucs, voilà. Puisque lui qui est motard. Donc, ça, je verrai. Ensuite, bon, celui-là, il est pour moi. J'ai profité pour le prendre. Des ciseaux. Regardez comme ils sont beaux. Je sais pas si vous voyez les détails là. Comme ils sont magnifiques. Donc voilà, ben ça c'est plutôt pour moi. Donc peut-être j'y en mettrai un ou deux, mais bon. J'ai trouvé, mais ça je pense que tout le monde le connaît, pour faire des fils de perles. Donc il y a petit, moyen et plus gros. Il est super souple. Vous voyez, ça s'écarte super bien. Et ça, c'est pour faire un ruban de perles pour décorer le gâteau. Alors après, hein, j'ai pas vraiment d'idée hein, pour le gâteau. C'est comme un scrap, c'est comme pour tout. C'est après que je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. En fait, j'ai une idée en gros, hein, mais pas précise. Ça, ben, je l'ai pris aussi, surtout pour moi, en fait. Je sais pas si je lui mettrai. C'est des serrures. Voilà. Donc, j'adore les serrures, j'adore les clés. Ben, ça va un peu avec le vintage. Et comme j'ai loupé, je sais qu'il y avait des dies à action, là, comme ça. Je les ai jamais trouvés. Avec les tampons. Il y avait les clés aussi. Donc, ben, au moins, j'aurai ça. Et à défaut d'avoir les dies, je pourrais faire des embellissements comme ça. Pareil, hein, ça devait être 2 euros, même pas. Je sais plus exactement. Donc ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des emporte-pièces. Et ça, ça sert à faire des roses. Des roses, mais fines. On peut les faire en finesse, cela. Donc il suffit d'étaler la pâte à sucre très fin. On la découpe, la pâte, et après on le roule, et ça fait des roses. Donc voilà. Ça, je sais pas si ça peut marcher avec la pâte fimo. Je connais pas trop la pâte fimo. Après, je lui ai pris celui-là, puisqu'elle adore tout ce qui est monument, château et tout. Donc, d'ailleurs, j'ai commandé aussi le... comment ça s'appelle? L'arc de triomphe. Je l'ai pas reçu encore. Celui-là, elle va trop l'adorer. J'ai commandé celui-là, bien sûr, forcément, Paris. Alors, celui-là, je l'ai pris pour Paris, pour, je sais pas si c'est la fleur de lys, ça. Et la tour Eiffel, ça. Mais bon, vu le prix, c'était 1 euro, bon, voilà. J'ai pris aussi ce cadre. Comme ça. Et celui-là, il va être trop beau après hein, pour le scrap. Et alors là, je sais pas du coup pour le gâteau si ça va marcher ou pas. Je doute, j'ai de gros doutes. Mais bon. En fait, ça se présente comme ça. Bon, il faut arriver à le fermer comme il faut. Ouais. Et en fait, c'est une tour Eiffel en 3D. Attends, je le montre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Que pour la pâte à sucre, je pense pas que ça aille. Par contre, pour la résine, je pense que ça doit être tip top. Donc, je testerai ça. Je vais le garder bah, jusqu'à ce que je fasse le gâteau, au cas où, pour essayer. Mais bon, voilà, sans conviction. Par contre, ouais, pour la résine, ça va être top. Donc voilà, ben, je voulais vous le faire partager parce que je pense que ben, même si moi au départ c'est pour
pour décorer les gâteaux, je pense que ça peut vous intéresser en scrap aussi. Ben, surtout si vous êtes comme moi, que vous aimez tout ce qui est Paris, vintage, histoire de France, bon, bref. Les perles, les dentelles, bon. Donc voilà, si par contre, si jamais ça vous intéresse de voir le gâteau fini ou comment je le fais ou quoi, ben, dites-moi-le en commentaire, j'essaierai de vous montrer un petit peu. Bon, tout ce sera pas possible, mais bon, voilà. Ce sera avec plaisir. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, franchement, si vous aimez ce genre de moule, AliExpress, c'est tip-top parce que ce n'est pas cher. Je vous dis, pour la dentelle, c'était 40 euros. 40 euros, je crois que ça m'a même pas fait 40 euros, hein, le tout. Hein, donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Normalement, il m'en manque un ou deux. Je pense pas vous les montrer, faire une vidéo exprès. Je vous les montrerai à l'occasion. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.